En una visita por el guardarropa de la Reina del Cielo para revivir uno de sus vestidos que por más de 170 años después permanece comprendiendo un mensaje muy importante y urgente para nuestros tiempos. Y este es el vestido de la Santísima Virgen en la Salette. A lo largo de la historia, la Madre de Dios y por tanto Madre Nuestra se asegura de hacernos saber suyos. La época, la lengua, la cultura no son un impedimento para la Madre de Dios, porque se presenta ante nosotros adoptando nuestra lengua, nuestra condición, nuestros rasgos físicos de los habitantes de su pueblo, a los que desea y es preciso llamar y hablar. La dulce madre y reina del cielo en todas partes y de todas sus gentes, madre de todos, entonces podríamos atender su llamado de mamá, quien desea que todos sus hijos se salven y sean mejores, no solamente siendo buenos, sino santos como su hijo nos enseña a hacerlo. Con este gran propósito y misión, este video hemos decidido conservar la esencia del mensaje de la Reina del Cielo y a su pueblo de Francia en francés, puesto que fue así como nuestra madre le habló a los niños y en patois, la cual era la forma para referirse a las lenguas usadas en pequeñas poblaciones francesas. Incluso los campesinos estaban sorprendidos que siendo ellos niños analfabetos, fueron capaces de transmitir y relacionar tan complicado mensaje tanto en francés, el cual no entendían bien como en patois, en el cual describen exactamente lo que decían, observando una vez más que Dios se complace en la sencillez y la humildad de los más pequeños a quienes confió sus mensajes. Nous comprenons par la foi que Dieu, et donc notre mère, par la volonté de Dieu, l'a disposé ainsi, et avec cette grande remise de nous préparer à être des instruments, les préparations et l'urgence de nous souvenir des messages de la Salette en ce temps. Je suis très heureux de vous présenter un invité très spécial de France, Clément H. Lanin. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup. Je m'appelle Clément Aglené, j'ai donc 27 ans. J'habite en France, dans la ville d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Je travaille en tant que juriste dans une université française et je suis également engagé au sein de l'église, de mon église locale, de ma paroisse, au service de la liturgie que j'aime beaucoup, mais également dans le cadre de l'accompagnement des catéchumènes au sacrement et notamment au baptême. Je suis par ailleurs également consacré à la Sainte Vierge Marie, je porte le scapulaire, j'ai une grande dévotion mariale et je suis particulièrement intéressé par les apparitions mariales en France que nous avons connues au XIXe siècle et notamment le message de la Salette qui me semble particulièrement parlant pour notre génération et qui nous rappelle encore des grandes directions à suivre pour propager la foi et maintenir le message de Jésus-Christ. Histoire, quand elle a commencé, lieu, contexte historique, comme une apparition. L'apparition de la Sainte Vierge à la Salette se déroule le 19 septembre 1846 en France, dans un petit village de montagne situé dans les Alpes. À cette époque, et non seulement en France, la langue française est mal maîtrisée par la population locale qui est composée majoritairement de paysans pauvres. Donc il s'exprime plutôt dans un dialecte de la campagne. La situation économique est catastrophique en raison de ce qu'on appelle la maladie de la pomme de terre et des conditions climatiques qui ravagent les récoltes. Et évidemment, la déchristianisation de la France se poursuit rapidement. L'interdiction du travail le dimanche, par exemple, est de moins en moins respectée. Dans les milieux catholiques, le gallicanisme, c'est-à-dire l'autonomie de l'Église de France par rapport à Rome, décline en faveur de l'ultramontanisme, où l'on reconnaît la primauté du pape. Et c'est donc dans ce contexte que Notre-Dame apparaît à la Salette à deux jeunes bergers, Mélanie
14 ans, et Maximin, 11 ans. Le samedi 19 septembre 1846, alors qu'ils sont montés faire boire leur troupeau, ils s'assoupissent dans le pré. Et à leur réveil, ils partent à la recherche de leurs bêtes qui se sont dispersées. C'est à ce moment-là qu'ils aperçoivent une lumière dans le creux d'une vallée. Ils s'approchent et voient ce qu'ils appellent une belle dame en pleurs. S'ensuit une conversation en français, puis dans leur dialecte. Elle leur révèle à chacun un secret et leur interdit de le révéler. Puis elle disparaît. L'apparition à la Salette inaugure une série d'apparitions mariales en France, qui se poursuivra évidemment à Lourdes en 1840, 1858 et à Pontmain en 1871. Et malgré le refus du Vatican de se prononcer sur les apparitions et l'opposition de nombreux catholiques et ecclésiastiques libéraux, elles sont officiellement reconnues par l'évêque de Grenoble, Monseigneur Bullard, en 1851 et confirmées par son successeur, Monseigneur Ginouliac, en 1855. En 1879, l'église du sanctuaire est enfin consacrée et élevée au rang de basilique. Les prophéties. Lors des apparitions, la Sainte Vierge confie aux deux voyants un secret chacun qu'elle leur charge de ne pas révéler tout de suite. En 1851, le pape Pie IX leur fait savoir, par l'intermédiaire de l'évêque de Grenoble, qu'il veut connaître le contenu des secrets. Il rédige donc, sous le sceau de la confidentialité, une première version des secrets qu'ils transmettent au Saint-Père. Ces textes n'ont été redécouverts qu'en 1999, à l'occasion des recherches de l'abbé Michel Corteville pour sa thèse de doctorat. En 1879, Mélanie publie elle-même une version du secret qu'elle a reçu. Sa version est beaucoup plus longue que celle de 1851. Elle contient 33 parties qui annoncent des catastrophes qui suivront l'apostasie généralisée de la France et de l'humanité. Voici donc son secret. Mélanie, ce que je vais vous dire maintenant ne sera pas toujours secret. Vous pourrez le publier en 1858. Les prêtres, ministres de mon fils, les prêtres, par leur mauvaise vie, par leur irrévérence et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Oui, les prêtres demandent vengeance, et la vengeance est suspendue sur leur tête. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquels, par leurs infidélités et leur mauvaise vie, crucifient de nouveau mon fils. Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel et appellent la vengeance. Et voilà que la vengeance est à leur porte, car il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour le peuple. Il n'y a plus d'âme généreuse, il n'y a plus personne digne d'offrir la victime sans tache à l'Éternel en faveur du monde. Dieu va frapper d'une manière sans exemple. Malheur aux habitants de la terre. Dieu va épuiser sa colère, et personne ne pourra se soustraire à tant de maux réunis. Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence, et le démon a obscurci leurs intelligences. Ils sont devenus ces étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les faire périr. Dieu permettra au vieux serpent de mettre des divisions parmi les régnants, dans toutes les sociétés et dans toutes les familles. On souffrira des peines physiques et morales. Dieu abandonnera les hommes à eux-mêmes et enverra des châtiments qui se succéderont pendant plus de 35 ans. La société est à la veille des fléaux les plus terribles et des plus grands événements. On doit s'attendre à être gouverné par une verge de fer et à boire le calice de la colère de Dieu. Que le vicaire de mon fils, le souverain pontife Pie IX, ne sorte plus de Rome après l'année 1859, mais qu'il soit ferme et généreux, qu'il combatte avec les armes de la foi et de l'amour, je serai avec lui. Qu'il se méfie de Napoléon, son cœur est double, et quand il voudra être à la fois pape et empereur, bientôt Dieu se retirera de lui. Il est cet aigle qui, voulant toujours s'élever, tombera sur l'épée dont il voulait se servir pour obliger les peuples à se faire élever. L'Italie sera punie de son ambition en voulant secouer le joug du Seigneur des Seigneurs. Mais elle sera livrée à la guerre. Le sang coulera de tous côtés. Les églises seront fermées ou profanées.
Les prêtres, les religieux seront chassés. On les fera mourir et mourir d'une mort cruelle. Plusieurs abandonneront la foi et le nombre des prêtres et des religieux qui se sépareront de la vraie religion sera grand. Parmi ces personnes se trouvera même des évêques. Que le pape se tienne en garde contre les faiseurs de miracles, car le temps est venu que les prodiges les plus étonnants auront lieu sur la terre et dans les airs. En l'année 1864, Lucifer, avec un grand nombre de démons, seront détachés de l'enfer. Ils aboliront la foi peu à peu, et même dans les personnes consacrées à Dieu. Ils les aveugleront d'une telle manière qu'à moins d'une grâce particulière, ces personnes prendront l'esprit de ces mauvais anges. Plusieurs maisons religieuses perdront entièrement la foi et perdront beaucoup d'âmes. Les mauvais livres abonderont sur la terre, et les esprits de ténèbres répandront partout un relâchement universel pour tous ceux qui regardent le service de Dieu. Ils auront un très grand pouvoir sur la nature. Il y aura des églises pour ces esprits. Des personnes seront transportées d'un lieu à un autre par ces esprits mauvais, et même des prêtres, parce qu'ils ne seront pas conduits par le bon esprit de l'Évangile, qui est un esprit d'humilité, de charité et de zèle pour la gloire de Dieu. On fera ressusciter des morts et des justes. Il y aura en tout lieu des prodiges, parce que la vraie foi s'est éteinte et que la fausse lumière éclaire le monde. Malheur aux princes de l'Église qui ne seront occupés qu'à entasser richesse sur richesse, qu'à sauvegarder leur autorité et à dominer avec orgueil. Le vicaire de mon fils aura beaucoup à souffrir parce que pour un temps l'Église sera livrée à de grandes persécutions. Ce sera le temps des ténèbres. L'Église aura une crise affreuse. La sainte foi de Dieu étant oubliée, chaque individu voudra se guider par lui-même et être supérieur à ses semblables. On abolira les pouvoirs civils et ecclésiastiques. Tout ordre et toute justice seront foulés aux pieds. On ne verra qu'homicide, haine, jalousie, mensonge et discorde, sans amour pour la patrie ni pour la famille. Le Saint-Père souffrira beaucoup. Je serai avec lui jusqu'à la fin pour recevoir son sacrifice. Les méchants attenteront plusieurs fois à sa vie sans pouvoir nuire à ses jours. Mais ni lui ni son successeur ne verront la triomphe de l'Église de Dieu. Les gouvernants civils auront tous un même dessein, qui sera d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux pour faire place au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices. Dans l'année 1865, on verra l'abomination dans les lieux saints. Dans les couvents, les fleurs de l'église seront putréfiées et le démon se rendra comme le roi des cœurs. Que ceux qui sont à la tête des communautés se tiennent en garde pour les personnes qu'ils doivent recevoir, parce que le démon usera de toute sa malice pour introduire dans les ordres religieux des personnes adonnées au péché, car les désordres et l'amour des plaisirs charnels seront répandus par toute la terre. La France, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre seront en guerre. Le sang coulera dans les rues. Le français se battra avec le français, l'italien avec l'italien. Ensuite, il y aura une guerre générale qui sera épouvantable. Pour un temps, Dieu ne se souviendra plus de la France ni de l'Italie, parce que l'évangile de Jésus-Christ n'est plus connu. Les méchants déploieront toute leur malice, on se tuera, on se massacrera mutuellement, jusque dans les maisons. Au premier coup de son épée foudroyante, les montagnes et la nature entière trembleront d'épouvante parce que le désordre et les crimes des hommes perceront la voûte des cieux. Paris sera brûlé et Marseille engloutie. Plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre. On croira que tout est perdu. On ne verra qu'homicide, on n'entendra que fruit d'âme et que blasphème. Juste souffriront beaucoup. Le prière, la pénitence et les larmes monteront jusqu'au ciel, et tout le peuple de Dieu demandera pardon et miséricorde, et demandera mon aide et mon intercession. Alors, Jésus-Christ, par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde pour les justes, commandera à ses anges que tous ennemis soient mis à mort. Tout à coup, les persécuteurs de l'Église de Jésus-Christ et tous les hommes adonnés au péché et la terre deviendra comme un désert. Alors se fera la paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes. Jésus-Christ sera servi, adoré et glorifié. La charité fleurira partout. Le nouveau roi sera le bras droit de la Sainte Église, qui sera forte, humble, pieuse, pauvre, scellée et imitatrice
de voir de Jésus-Christ. L'évangile sera prêché par toutes les hommes, feront de grands progrès dans la foi, parce qu'il y aura unité parmi les oubliés de Jésus-Christ et que les hommes vivront dans la crainte de Dieu. Cette paix parmi les hommes ne sera pas longue. Dans 5 ans d'abondantes récoltes, nous ferons oublier que les péchés des hommes sont cause de toutes les peines qui arrivent sur la terre. Un avant-coureur de l'Antéchrist avec ses troupes de plusieurs nations combattra contre le vrai Christ, le seul sauveur du monde. Il répandra beaucoup de sang et fondra anéanti les cultes de Dieu pour se faire regarder comme un Dieu. La terre sera frappée de toutes sortes de plaies, outre la peste et la famine qui seront générales. Il y aura des guerres jusqu'à la dernière guerre, qui sera à l'heure faite par les 10 rois de l'Antéchrist. Quels rois auront tous au même dessein et seront les seuls qui gouverneront le monde. Avant que ceci arrive, il y aura une espèce de fausse paix dans le monde. On ne pensera qu'à se divertir. Les méchants se livreront à toutes sortes de péchés. Mais les enfants de la Sainte Église, les enfants de la foi, mes vrais imitateurs, croîtront dans l'amour de Dieu et dans les vertus qui me sont les plus chères. Heureux les âmes semblent conduites par l'Esprit Saint. Je combattrai avec elles jusqu'à ce qu'elles arrivent à la plénitude de l'âge. La nature de mon vengeance pour les hommes et les frémis du pouvoir dans l'attente de ce qui doit arriver à la terre soyez des crimes, temple d'heure. Et vous qui faites profession de servir Jésus-Christ et qui, au-dedans, vous adorez vous-même, temple, car Dieu va vous livrer à son ennemi, parce que les lieux saints sont dans la corruption. Beaucoup de couvents ne sont plus les maçons de Dieu, mais les pâturages d'Asmodée et des Sion. Ce sera pendant ce temps que naîtra l'Antéchrist d'une religieuse hébraïque, d'une fausse vierge qui aura communication avec les vieux serpents, le maître de la impurité. Son père sera évêque. En naissant, il vomira des blasphèmes. Il aura des dents. En un mot, ce sera le diable incarné. Il poussera des cris effrayants. Il fera des prodiges. Il ne se nourrira que d'impurité. Il aura des pères qui, quoi qu'il ne soit pas comme lui, des démons incarnés, seront des enfants de mal. À 12 ans, ils se feront remarquer par lui, par une victoire qu'ils remporteront bientôt. Ils seront chacun à la tête des armes, assistés par des légions de l'enfer. Les saisons seront changées, la terre ne produira que des mauvais fruits. Les astres perdront leur mouvement régulier. La lune ne reflétera qu'une faible lumière rougeâtre. Le et les fous donneront au globe de la terre des mouvements compulsifs et des horribles tremblements de terre qui feront engloutir des montagnes, des villes, etc. Rome perdra la foi et deviendra la siège de l'Antéchrist. Les démons de l'air avec l'Antéchrist feront de grands prodiges sur la terre et dans les airs, et les hommes se pervertiront de plus en plus. Dieu aura soin de ses fidèles serviteurs et des hommes de bonne volonté. L'Évangile sera prêché partout. Tous les peuples et toutes les nations auront connaissance de la vérité. J'adresse un présent appel à la terre. J'appelle les vrais disciples de Dieu, vivants et rayonnants dans les cieux. J'appelle les vrais imitateurs de Christ, fait homme, les seuls et vrais sauveurs des hommes. J'appelle mes enfants, mes vrais dévotes, ceux qui se sont donnés à moi pour que je les conduise à mon divin Fils. Ceux que j'ai portés pour ainsi dire dans mes bras, ceux qui n'ont beaucoup de mon esprit. Enfin, j'appelle les portraits de dernier temps. Les fidèles disciples de Jésus-Christ qui ont vécu dans le mépris du monde et de eux-mêmes,
dans la pauvreté et dans l'humilité, dans le mépris et dans le silence, la oration et dans la mortification, dans la casteté et dans l'union avec Dieu, dans la souffrance et inconnue du monde. Il est temps qu'il sorte et vienne éclairer la terre. Allez et montrez-vous comme mes enfants chéris. Je suis avec vous et en vous. Pour que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur, que votre ciel vous rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de la lumière, vous petits nombreux qui y bougez, car voici le temps des temps, la fin des fins. L'Église sera éclipsée, le monde sera dans la consternation. Mais voilà Enoch et Élie, remplis de l'Esprit de Dieu. Ils prêcheront avec la force de Dieu, et les hommes de bonne volonté croiront en Dieu, et beaucoup d'âmes seront consolées. Ils feront de grands progrès par la vertu du Saint-Esprit et condamneront les erreurs diaboliques de l'Antéchrist. Malheur aux habitants de la terre, il y aura des guerres sanglantes et des famines, de pestes et de maladies contagieuses. Il y aura des pluies de grêle infroyable des animaux, des tonnerres ébranleront des villes, tremblements de terre qui engloutiront des pays. On entendra des voix dans les airs. Les hommes se battront la tête contre les murailles. Ils saperont la mort. Et d'un autre côté, la mort fera leur supplice, les enculera de tous côtés. Qui pourra vaincre si Dieu ne diminue le temps de la peur? Par le sang, les larmes et les prières des justes, Dieu cela sera fléchi. Enoch et Élie seront mis à mort. Rome païenne disparaîtra. Le feu du ciel tombera et consumera trois villes. Tout l'univers sera frappé de terreur. Et beaucoup de cela seront séduits, parce que qui sont pas adorés le vrai Christ vivant parmi eux. Il est temps, le soleil s'obscurcit, la foi seule vivra. Voici les tombes, l'abîme s'ouvre. Voici le roi des rois des ténèbres. Voici la bête avec ses sujets, saisissant les cheveux du monde. Il s'élèvera avec orgueil dans les airs. Pour aller jusqu'au ciel, il sera étouffé par les souffles de Saint-Michel, archange. Il tombera et la terre qui, depuis 3 jours, sera une décontinuelle évolution, ouvrira son sang plein de feu. Il sera plongé pour jamais avec tous les siens dans les jours éternels de l'univers. Alors, les loups et les fous purifieront la terre et consommeront toutes les souffres de l'orgueil des hommes, et tout sera renouvelé. Dieu sera servi et glorifié. Le 3 juillet 1851, Maximin écrit son secret pour l'évêque de Grenoble. Sa première coupe est brûlée et Maximin l'a réécrit dans une seconde coupe. Monseigneur brûla le lit avant que Maximin ne signe le secret. L'enveloppe scellée fut remise au pape Pie IX. Voici le secret de Maximin en 1850, qui n'a jamais été révélé dans son intégralité. Le 19 septembre 1846, nous savons vous une belle dame. Nous n'avons jamais dit que cette dame était la Vierge, mais nous avons toujours dit que c'était une belle dame. Je ne sais pas si c'était la Vierge Marie ou quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je pense que c'était la Sainte Vierge. Voici ce que cette dame mérite. Si mon peuple reste le même, je vous dirai que ce que je vais vous dire arrivera bientôt. Même si cela change un peu, cela arrivera bientôt. Bientôt, si cela change un peu, ça viendra plus tard. La France corrompue l'univers. Un jour, elle sera punie.
la voix s'entendra. Trois parties de la France ne pratiqueront plus la religion, ou presque l'autre la pratiquera sans bien la pratiquer. Après la conversion des nations, la foi illuminera tout. Un grand pays d'Europe du Nord, aujourd'hui protestante, se convertira. Avec ce soutien, toutes les autres parties du monde se convertiront. Avant que tout cela n'arrive, des rambouillets par ce monde se produiront dans l'Église et partout. Notre Saint-Père, le Pape, sera persécuté. Son successeur sera un pontife que personne n'entendra. Puis viendra une grande paix. Mais elle ne durera pas longtemps. Un monstre viendra la troubler. Tout ce que j'ai dit arrivera au siècle prochain ou plus tard, dans les siècles suivants. Elle m'a dit de le dire un peu avant. Ces robes sont conçues dans les moindres détails, divinement pensées en fonction de sa pureté, de sa virginité, puisqu'elle est toute immaculée, et de sa majesté en tant que reine du ciel. Et bien sûr, elle portait en autre dame ses vêtements, les messages pour son peuple. Mélanie elle-même nous dit qu'il est impossible d'expliquer avec des mots l'apparence de la Sainte Vierge. Et qu'elle est injustement décrite avec des couleurs et des matériaux terrestres. Mais avec cette image, elle est souvent les mots de Mélanie, comme si nous étions ses propres joues. Nous nous réjouissons de découvrir et de contempler la beauté de la Sainte Vierge. La robe de la Sainte Vierge était d'une blanc argenté, très brillante. Elle n'avait rien de matériel. Elle était composée de lumière et de gloire, changeant et dédicelant. Il n'y a pas d'expression ou de comparaison possible sur terre. Dans ses vêtements comme dans sa personne, tu respirais la majesté, la splendeur, la magnificence d'une reine incomparable. Elle semblait blanche, immaculée, cristalline, resplendissante, céleste, fraîche, nouvelle, comme une vierge. Il semblait que le monde amour s'échappait de ses lèvres argentées et pures. La couronne rose sur sa tête était si belle, si brillante, qu'on ne peut s'en faire une idée. Les roses de différentes couleurs ne tiennent pas de la terre. C'était une robe de fleurs qui signa la tête de la Sainte Vierge en forme de couronne, mais les roses étaient interchangées ou remplacées. De plus de corps de chaque rose jaillissait une lumière si belle qu'elle était ravissante. Elle rendait les roses d'une beauté splendide. De la couronne de roses se levant comme des rameaux d'or et une quantité d'autres petites fleurs entremêlées de brillants. Les deux formaient un diadème de toute beauté qui seul brilla plus fort que notre soleil terrestre. La Sainte Vierge avait une belle croix suspendue à son cou. La croix était suspendue à son cou. Cette croix semblait être dorée. J'ai dit dorée, non pas une plaque d'or, car j'ai vu quelquefois des objets dorés. J'ai dit dorée, car j'ai vu quelquefois des objets dorés de diverses nuances. De or, ce qui, à mes yeux, donnait une impression de grandeur. De or, ce qui, à mes yeux, faisait un plus bel effet qu'une simple plaque d'or. Sur cette croix, toute brillante de lumière, se trouvait en Christ, notre Seigneur, les bras étendus sur la croix. Presque une extrémité de la croix, il y avait de un côté un marteau, de l'autre un ponce. Le Christ était d'une couleur naturelle de chair, mais il brillait d'une grande splendeur, et la lumière qui sortait de tout son corps ressemblait à des dards très brillantes qui transperçaient mon cœur avec le désir de m'effondrer en lui. Par moments, le Christ semblait mort. Sa tête était inclinée et son corps était comme abaissé.
sur les pointes de ton père. Ce Ninevé pas été retenu par les clous qui les retenaient à la croix. Avec autre monde, le Christ semblait et très vivant, sa tête était droite, ses joues étant ouvertes et semblait être sur la croix par sa propre volonté. Parfois, il semblait aussi parler, il semblait vouloir nous montrer qu'il était sur la croix pour nous, par amour, pour nous attirer dans son amour, pour nous montrer qu'il a toujours un nouvel amour pour nous, que son amour tout début et de l'année 33 est toujours celui d'aujourd'hui et qu'il demeurera toujours. La Sainte Vierge avait un tablier jaune qui disait jaune. Elle avait un tablier plus lumineux qui vient des soleils réunis. Ce n'était pas un martyr, ce n'était pas une étoffe. C'était un composé de gloire. Et cette gloire était scintillante et d'une beauté ravissante. Tout dans la Sainte Vierge, mais comme de suite, fortement et comme en glissante, à adorer et la mère, mon Jésus, dans tous les étés de sa vie mortelle. Sainte Vierge avait deux chiens, l'un un peu plus large que l'autre, à la plus étroite, était suspendue la croix, dont je parlais plus haut. Ces chiens, car il faut les appeler chiens, étant comme des rayons de gloire, d'une grande splendeur changeante et étincelante. Les chaussures, car il s'agit bien des chaussures, étaient blanches, mais d'un blanc argenté, brillante et elles étaient entourées de roses. Ces roses étaient d'une beauté splendide et deux corps de chaque rose sortaient en flamme de lumière, très belle lumière et très agréable à regarder. Sur les chaussures, il y avait un boucle d'or, non pas de l'or de la terre, mais bien de l'or du paradis. La vision de la Sainte Vierge était elle-même un paradis parfait. Elle avait en elle tout ce qui pouvait satisfaire, car la terre avait été oubliée. La Sainte Vierge était entourée de deux lumières. La première lumière, plus proche de la Sainte Vierge, s'étendait jusqu'à nous. Elle brillait d'une splendeur très belle et étincelante. La seconde lumière s'entendait un peu plus loin autour de la belle dame. Et nous étions en elle. Elle était immobile, c'est-à-dire qu'elle ne scintillait pas, mais beaucoup plus brillante que notre soleil terrestre. De ces lumières ne faisant aucun mal au jour et ne fatiguent nous le monde à vous. En plus de toutes ces lumières, de toute cette splendeur, il y avait encore des groupes ou des faisceaux de lumière, ou des rayons de lumière provenant du corps de la Sainte Vierge et de ses vêtements de partout. Signification évangélique. Malgré le ton plutôt sombre des messages des apparitions, ceux-ci contiennent avant tout la promesse de l'espérance. Fidèle à sa nature maternelle, la Sainte Vierge compatit avant tout aux douleurs de l'humanité et souffre que ses fils s'éloignent de l'unique personne, son divin fils, qui peut les mener au salut et au bonheur éternel. L'apparition de la Sainte Vierge prouve donc à quel point notre Dame n'abandonne jamais les hommes dans les épreuves, mais vient à leur aide dès qu'ils en ont le plus besoin. L'insistance sur l'obligation du repos dominical est moins une remontrance que le rappel d'un besoin vital pour le bien-être du corps et de l'esprit de chaque homme. Alors, la construction du sanctuaire de la Salette est déjà programmée dès 1849, avant même la reconnaissance des apparitions. La première pierre est posée en 1852 et le sanctuaire sera terminé en 1879. Et l'église sera élevée en même temps au rang de basilique mineure. Les pèlerinages débutent très rapidement. 2 jours après les apparitions, des habitants de la Salette se rendent déjà sur le lieu et constatent qu'une eau claire jaillit à l'endroit où était parue la Sainte Vierge. 1 mois plus tard, une femme qui ne peut marcher qu'avec des béquilles s'y rend et guérit miraculeusement. 10 jours après cet événement, 1500 personnes se retrouvent sur le lieu. 2 ans après les apparitions, avant donc la reconnaissance officielle, 100 000 pèlerins sont déjà comptabilisés. Les missionnaires de Notre-Dame de la Salette sont créés en 1852 pour accueillir les pèlerins. Cette congrégation se développe même à l'international. En août 1872 est organisé le premier grand pèlerinage national
qui sera renouvelé l'année suivante. Alors, pendant très longtemps, l'accès au site a été compliqué. Il fallait 8 heures pour rejoindre la Salette, partant de Grenoble, à l'époque des apparitions. Et des travaux ont été effectués. Mais les grands quarts de pèlerins ne pouvaient pas s'y aventurer avant la fin du chantier d'un nouveau tracé de route à partir des années 1960. Nous trouvons sur la poitrine de la Sainte Vierge le message principal. Une chaîne à deux de son cou avec Jésus sur la croix. Avec les onze romains utilisés lors de la crucifixion avec deux chemins. Le marteau à droite, le péché cloué, les clous. Au don l'autre sens, la pince à gauche pour enlever les clous de Jésus. La prière, la pénitence et la réconciliation. La Sainte Vierge met en garde contre deux péchés, le blasphème et la violation du sabbat dominical, dans laquelle, après s'il y a plus de 70 ans, nous persistons. Elle nous avertit et nous rappelle, n'offensez plus Dieu et faites pénitence, sinon de terribles épreuves et souffrances s'abattront sur le monde. Ainsi, poussé par l'amour, diffusons son message. Ce message a une valeur permanente. L'oubli de Dieu nous condamne à la perdition, esclavage et destruction de l'homme dans la guerre. Corruption, les meurtres, la famine, la sécheresse, l'injustice, l'amour, la destruction de la famille, les persécutions religieuses, les mauvais livrés à vente sur terre, ainsi que le spiritualisme et l'occultisme de New Age. Et toutes sortes de péchés, la création d'un gouvernement mondial, d'une économie mondiale, d'un système juridique mondial et d'une religion mondiale. Un œcuménisme fondé sur une union non centrée sur le Christ et les sacrements qu'il nous a enseignés, les enseignements de Christ de femme. Le monde est actuellement confronté à la tribulation et à la purification. Mais notre mère, nous donner encouragement, force et espérance, parce que l'Église vivra et en sortira renforcée, radieuse et glorieuse, parce que nous appartenons à l'armée de Christ, qui nous maintenant en alerte et en constante préparation à partir à lutter pour la vérité dans ce qui est à venir. En un temps très vigilante et prudente, et nous souvenons des avertissements et des rappels de notre mère aujourd'hui, dans la lumière du Saint-Esprit et dans l'enseignement de l'Église de Christ. Vois-je ça sans nu, le marteau ou la pince?